Les Covenants estiment que ce qu'ils appellent le cartographe silencieux est sous cette île. Le cartographe est une salle de cartes qui nous mènera au centre de contrôle de Halo. L'île est dotée de multiples structures et installations. L'une d'elles abrite la salle des cartes. Nous approchons de la zone de dépose. Ça va être chaud. Préparez-vous à être secoué. Atterrissage. Allez-y, Marine. Allez, 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 allez. J'ignorais que vous rendiez des visites à domicile, Foimeur. Vous connaissez notre devise. Toujours à votre service. Écrase-le! Ok, allons-y. Il faut trouver la salle des cartes pour connaître l'emplacement du centre de contrôle de Halo. Dans la paroi de la falaise. Je parie que le cartographe silencieux se trouve là-dedans. Torche. Joli tir. Encore d'autres. Selon mes analyses, la salle des cartes devrait être au sous-sol de cette installation. Entrons là-dedans. Empêchez-les de verrouiller les portes. Intéressant. Je ne pensais pas que les Covenants maîtrisaient si bien les sous-systèmes d'Halo. Ils ont verrouillé les portes, et notre puissance de feu est insuffisante pour les détruire. Cortana acquise. Je vous écoute, Cortana. Vous avez trouvé le centre de contrôle? Négatif, capitaine. Les Covenants nous barrent la route. Pour continuer, nous devons désactiver le système de sécurité de l'installation. Compris. On se dirige toujours vers l'objectif. Une fois qu'on y sera, le contact sera peut-être coupé. Vous avez ordre d'utiliser tous les moyens nécessaires pour entrer dans l'installation et trouver le centre de contrôle de Halo. Nous devons arriver au centre avant les Covenants. Il n'est pas question d'échouer. Echo 419 à équipe terrestre. Je reste en position et je garde un œil sur les Covenants. Deuxième section prête à intervenir dès que tout le monde sera sur les niveaux supérieurs. Notre atterrissage apparemment sous contrôle, chef. Rien de vous. Bonne chance à tous. Ici, équipe
terminé. On dirait qu'un passage mène à l'intérieur de l'île. Il faut trouver le dispositif de sécurité pour ouvrir cette porte. Là-bas. Utilisez le panneau holographique pour couper le système de sécurité. Bien. Ça devrait ouvrir la porte menant au puits principal. Mayday, Mayday! Vaisseau de largage Bravo 22 attaqué! Je répète, nous sommes attaqués et perdons de l'altitude! Compris, on arrive. Chef, Bravo 22 nous apportait des armes lourdes. J'ai pensé que ça nous aiderait à combattre les Hunters. Descendons sur la plage. Essayez de sauver la cargaison. N'essaie pas de jouer aux morts avec moi.
Warhammer à équipe terrestre. Deux vaisseaux de largage arrivent sur vous. Oh non! Ok les gars, on a de la compagnie tirée à vue sur les forces ennemies. Ce serait plus facile de les combattre de l'intérieur de la structure. Vous pouvez y aller? Négatif, ils arrivent trop vite. Négatif! Chef, trouvez le cartographe. On va les occuper le plus longtemps possible. Écrasez-les, les gars. On a intérêt à sortir d'ici avant l'arrivée des autres renforts. Trouvons cette carte. Là, ce panneau holographique devrait activer la carte. Analyse. Cortana à Echo 419. Le chef et moi sommes au niveau supérieur. Évacuation demandée. Bien reçu, j'arrive. Neutralise ces tourelles!
Je l'ai bien plombé. HS, sergent. Zone d'atterrissage sécurisée, pour l'instant. Merci. Approche en cours. Accrochez-vous. Les Covenants contrôlent le pont devant mon approche, chef. Ils vont tenter de nous coincer de ce côté de la gorge. Les commandes d'activation du pont sont sûrement dans ce bâtiment. On arrive sur une autre structure. J'ai un pélican en approche. Il faut dégager une piste. Thank you.
sur le Inamberclad sur la grille de combat Covenant. C'est bizarre. Les Covenant doivent savoir qu'on a atterri, mais ils ne semblent pas nous trouver menaçants. Ils vont avoir une sacrée surprise. Attention, des escortes. Parasite. Il se répand sur toute la ville. Comment peut-on l'arrêter? Il faut trouver son vaisseau et faire sauter le réacteur. Si on ne détruit pas cette ville, toutes les équipes, on risque de perdre la planète. Contact multiple et la ligne non identifiée. Major, on là, par ici. Mets en cercle, sergent. Je ne peux pas tout vous dire qui vous y trouvez. Le fossoyeur sait que je suis dans le... Je n'avais pas le choix. Le lieutenant. Le sergent. Salutations, humains. Ici le destroyer Shadow of Intent. Quittez ce secteur. Nous nous chargeons du parasite. Thank you.
Le Didacte a utilisé ce recomposeur pour créer les Prométhéens à partir d'êtres humains. Il veut terminer le travail, il devra d'abord le retrouver. On a tout intérêt à le garder sur Requiem. Espérons que la Ski n'a pas lésiné pour ce pélican. Contrôle avant décollage. Plutôt canon avant. Ok. Tourelle latérale. Ok. Propulseurs principaux. Ok. Booster auxiliaire. Ok. Activation de la propulsion. On n'aura pas de sitôt l'occasion de rentrer sur Terre. Vous en êtes conscient? Tout ira bien. Contact. Didacte, droit devant. Comment pénétrer ces boucliers? J'indique deux des plus grandes installations sur votre HUD. Elles servent à gérer la circulation des ressources qui vont et viennent du satellite. Si nous brouillons leur communication, je pourrais les pirater et en prendre le contrôle pour forcer la désactivation des défenses. Ça ne changerait pas grand-chose. Par contre, détruire les atténuateurs du système engorgera le réseau. Et dire que si l'Infinity n'était pas reparti sur Terre, ils auraient pu s'occuper des atténuateurs à distance. C'est pas le problème. Les atténuateurs se trouvent dans des cages de Faraday. Il doit y avoir une commande d'ouverture. Ok, les trois atténuateurs principaux se trouvent là-dedans. Coupez ces connexions et ça devrait suffire.
Reste ici. Cortana, d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient, quoi? Le manteau de responsabilité abrite tout, Udall. Mais seuls les entrepreneurs peuvent les mettre. La voix d'Udall. Je ne détecte rien, Major. Là, continuez. Le trafic aérien est plus dense. Il faut désactiver l'autre tour rapidement. Sinon, nous aurons un mal fou à rejoindre le Didact. Que le générateur d'ondes porteuses est à l'autre bout de cette salle. Il faut qu'on traverse. Cette barge devrait faire l'affaire. Trouvez le relais d'activation. On reprend les bonnes vieilles méthodes. Je vais régler vos boucliers pour émettre une IEM sur la fréquence du réseau de communication. Pour la déclencher, il suffit d'établir un contact physique avec le générateur d'ondes porteuses. Leur a donné le contrôle des commandes primaires. Ça va pas être facile. Les commandes sont là-haut. Ah oui, voici l'itinéraire. C'est reparti. À la barge. Didacte leur a donné le contrôle des commandes primaires. Ça va pas être facile. Les commandes sont là-haut. Ah oui, voici l'itinéraire. C'est reparti. À la barge. Leur a donné le contrôle des commandes primaires. Ça va pas être facile. Les commandes sont là-haut. Ah oui, voici l'itinéraire. C'est reparti. À la barge. Thank you.
C'est reparti. De la barge. Vos actes relèvent à la fois de l'honneur et de la conscience. Cortana, vous l'entendez? Non. Le didacte? Le générateur d'ondes porteuses est sur cette plateforme. Entrez dans le champ pour déclencher l'IEM. Un peu. Attention. Attendez un peu. Qu'on est en train de faire. Si on approche trop de ce vaisseau, on est mort. J'ai une idée. Suivez cet itinéraire. Cette tour permet de diriger les flèches de défense qu'on voit partout. Si vous m'amenez à la salle de contrôle, je devrais pouvoir les repositionner de manière à empêcher le vaisseau du didacte de décoller.
perte de choix. Et aujourd'hui, vous allez devoir choisir. Il modifie la tour. Bâtiment de commande en haut de la tour. On devrait déjà y être. Sur le vaisseau du Didacte. On n'aura pas le droit à une deuxième chance. Ok. Go! Mmh.